Si le directeur du stade déclare que le stade a été nettoyé le lendemain, est-ce que cela ne veut pas dire que c'est vous qui l'avez donné des instructions? Je me suis inscrit en faux et ça fait la énième fois qu'on me pose cette question. Je dis non. Mais vous l'aviez appris, non? Hein? Vous l'aviez appris? Je l'ai appris, mais c'est pas vrai. D'accord. Voilà. Alors, si c'est pas vrai, pourquoi vous n'avez pas sanctionné votre subordonné? Non, mais c'est au niveau, à ce moment du procès que moi j'ai appris. Je ne l'ai jamais su avant. C'est au cours de ce projet, d'ailleurs aujourd'hui, que j'ai appris ça. Parce que je n'ai pas eu accès à la copie de son procès verbal. Je suis pas, moi, est-ce que vous êtes prêt à être confronté à votre directeur? Mais oui, pourquoi pas. Sur cette question? Pourquoi pas, oui. D'accord. Le 28 septembre, quand les tirs ont commencé, il y a eu une panique. Les manifestants ont détalé, ils sont sortis, chacun est allé de tous côtés. C'est pourquoi je demande si vous aviez fait le tour du stade. Je dis non ici. Je suis formel, je n'ai pas fait le tour du stade. Donc, vous n'avez pas constaté les véritables faits qui étaient là. Alors, je veux savoir, qui vous a autorisé d'aller sur cette scène de crime? Ben, je suis allé parce que j'étais le ministre des Sports. Qui vous a autorisé? Personne ne m'a autorisé. Est-ce que vous relevez d'un gouvernement? Je vous dis que personne. Personne. Voilà. D'accord. Est-ce que vous étiez accompagné d'une commission d'enquête officielle ce jour? La commission d'enquête travaillait déjà. Je ne les connaissais pas. Mais moi, je suis allé avec des journalistes. D'accord. Pour juste faire le constat. Je suis reparti. Est-ce que vous vous êtes référé à M. le procureur de la République près le TPI de Dixin? Non, pas avant d'y aller pour recevoir son autorisation? Non, moi je ne connais pas les textes juridiques. D'accord. Je ne connais pas. Est-ce que vous savez que votre présence sur cette scène de crime était illégale? Oui, c'est maintenant que je l'apprends. C'est maintenant que vous apprenez ça. Ouais, ouais. Est-ce que vous savez que votre présence illégale a permis d'effacer les indices? Aucun indice n'a été effacé parce qu'il n'y a pas eu de travail. Monsieur le ministre. Aucun indice, je vous le dis, je suis formel là-dessus. Aucun indice, je vous assure que aucun indice n'a été effacé. Vous êtes formel? Je suis formel là-dessus. D'accord. Merci, monsieur le président, honorable assesseur. Monsieur le ministre, vous avez commencé par dire que vous êtes professeur. Je voudrais savoir, professeur, vous êtes professeur de quoi? S'il vous plaît. De philosophie, j'ai un diplôme de philosophie. Vous avez un diplôme de professorat? Non, pas professorat, non. Alors vous êtes enseignant? Je suis enseignant. Vous êtes enseignant? Oui, de ceux qui prennent des titres de professeur ou de docteur, non. D'accord. Voilà. En commençant, vous avez présenté les condoléances à toutes les victimes de ce malheureux événement du 28 septembre. Je vous pose la question de savoir, est-ce que vous étiez allé à l'hôpital national de Donka pour voir les victimes? Oui, je crois que le gouvernement... À l'époque. À l'époque. Oui, le gouvernement avait instruit cela. Les membres du gouvernement sont passés voir. Il y avait même une commission qui était à l'hôpital Donka et on est passé voir dans toutes les salles, tous les membres du gouvernement. Tous les membres du gouvernement. Oui, ça je le confirme. D'accord. Est-ce que vous étiez allé à l'esplanade de la mosquée Faisal lors de la remise des corps? Non, malheureusement, je l'ai suivi sur... Pourquoi? Avec beaucoup de consternation et de tristesse. Pourquoi vous n'êtes pas allé? Ben, je n'étais pas convié parce qu'il y avait une commission. C'est les membres de la commission qui étaient exclusivement chargés de cela. Est-ce que vous aviez présenté publiquement les condoléances aux familles et pleurer à travers les médias en tant que membre du gouvernement? Je l'ai plusieurs fois fait. Et ministre de la jeunesse et du sport. En dehors même de mon statut de ministre, moi je suis un opérateur culturel. Mais nous ne l'avons pas fait. Si, moi je l'ai plusieurs fois fait. Nous n'avons pas vu ça. Je n'ai pas besoin des médias pour ça. Je l'ai plusieurs fois fait. Oui. Ce que vous ne savez pas, j'ai des relations particulières avec beaucoup de tous ces leaders-là. Monsieur le ministre, vous avez des relations avec les leaders, mais c'est une partie du peuple de Guinée qui a péri au stade ce jour. Est-ce que vous pouvez dire que vous connaissez
les familles de toutes ces victimes? Non, pas du tout. Pour avoir, hein, pour les rendre visite et présenter les condoléances? Non. Je l'ai fait dès que j'ai eu l'occasion aujourd'hui, en plus. J'ai commencé mes propos par ça, et vous-même, vous l'avez reconnu. Quel est le canal privilégié pour un ministre pour présenter des condoléances publiques à la population? Individuellement, on ne peut pas le faire parce que le Premier ministre Camara l'avait déjà fait par un communiqué. Non. Si. Ce communiqué n'a jamais été lu aux antennes de la radio. Si, c'est passé. Je confirme que c'est passé. Vous avez une copie? Même dans... Mais non, mais je ne vais pas garder. Pourquoi? Je n'ai pas de copie. C'est vous seul qui l'avez dit, hein? Je vous confirme que Monsieur le Premier ministre Camara a fait un communiqué. D'accord. Oui. Vous avez dit que vous souhaitez que le peuple de Guinée retrouve sa sérénité. Est-ce que le peuple peut retrouver sa sérénité sans savoir où ont été ensevelis ces corps-là? C'est au tribunal de trouver les réponses à cette question. Monsieur le ministre, où sont les corps? J'ai pas vu le corps, j'ai pas vu de blessés, j'ai vu les blessés seulement à l'hôpital. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et non. Je continue de présenter mes condoléances aux familles de ceux qui ont perdu la vie. Jusqu'à ce jour, vous voulez dire que vous n'avez pas d'informations sur l'endroit où les corps ont été enfouis? Aucune information. Aucune information. Vous avez dit que chaque 25 septembre, en Guinée, il est institué une fête nationale de la jeunesse. Vous avez le décret qui a institué cette fête? Depuis 1990. Depuis 1990. Oui, sous le magistère du feu président Lazare Nakonté. D'accord. Est-ce qu'il y a un décret qui a institué le 28 septembre comme une fête nationale? Non, pour le moment, non. Non. Alors, pourquoi la manifestation a été interdite? La question, il faut la poser au président de la République, d'alors. Elle a été au ministre, certainement, de la fonction publique, de l'administration du territoire, parce que c'est eux qui ont pris les décisions. Je ne peux pas parler à leur place. Mais, au nom de la solidarité gouvernementale, vous étiez d'accord pour l'interdiction de cette manifestation, oui ou non? Mais il y a une solidarité, évidemment. Vous êtes là-bas parce que vous défendez les partis civils. Oui. Voilà. Donc vous étiez d'accord avec l'interdiction. Mais vous voulez que je fasse quoi? Oui, que vous protestiez. Quand on est dans une équipe, on vous assume. Pouviez protester. On assume. Est-ce que vous savez que la manifestation est un droit constitutionnel? C'est un droit constitutionnel. Est-ce que vous savez que la manifestation a été instituée par notre constitution à l'époque? Je suis parfaitement d'accord avec vous, maître. Voilà. Est-ce que vous savez que même une autorité militaire ne peut pas interdire une manifestation? Oui. Alors, pourquoi vous n'avez pas protesté en tant que civil? Je ne peux pas protester parce que j'appartiens à une équipe. Lorsque la décision elle est prise, on se met au garde-à-vous. Ah, d'accord. En tant que civil, vous vous mettez au garde-à-vous. Ouais. D'accord. Alors, je veux savoir, le directeur du stade, il relève de qui? Il relève de moi. Il relève de vous. Cela veut dire que c'est vous qui le donnez normalement des instructions. Normalement, oui. Alors, si le directeur du stade déclare que le stade a été nettoyé le lendemain, est-ce que cela ne veut pas dire que c'est vous qui l'avez donné des instructions? Je me suis inscrit en faux et ça fait la énième fois qu'on me pose cette question. Je dis non. Mais vous l'aviez appris, non? Hein? Vous l'aviez appris? Je l'ai appris, mais ce n'est pas vrai. D'accord. Voilà. Alors, si ce n'est pas vrai, pourquoi vous n'avez pas sanctionné votre subordonné? Non, mais c'est au niveau, à ce moment du procès que moi j'ai appris. Je ne l'ai jamais su avant. C'est au cours de ce projet, d'ailleurs aujourd'hui, que j'ai appris ça. Parce que je n'ai pas eu accès à la copie de son procès verbal. Je suis pas magistrat. Est-ce que vous êtes prêt à être confronté à votre directeur? Mais oui, pourquoi pas. Sur cette question? Pourquoi pas, oui. D'accord. Alors, vous avez dit, je suis allé au stade du 28 septembre que 10 jours après le massacre.
10 jours après le massacre. Et vous avez dit que j'ai retrouvé les mêmes traces. Est-ce que cela ne veut pas dire que vous étiez venu auparavant constater les traces pour que vous retrouviez les mêmes traces 10 jours après? Je n'ai jamais dit que je suis venu et j'ai retrouvé les mêmes traces. On peut interroger le greffe. J'avais dit que vous avez retrouvé les mêmes traces. S'il vous plaît, j'ai dit que je suis venu, j'ai trouvé une situation de désolation. Je me répète encore. Et j'ai trouvé des paires de chaussures dispersées. J'ai vu des bouteilles d'eau plastique comme ça, éparpillées. J'ai vu que les cabines de reportage étaient endommagées, les chaises. Et c'est clair, c'est ce que j'ai dit. J'ai jamais dit que je suis allé et puis je suis revenu. Mais je vais aller au stade, pourquoi? Non, monsieur le ministre, je vous rappelle. Vous avez dit que quand je suis venu au stade, j'ai retrouvé les mêmes traces. Je vous prends au mot. Si vous dites que j'ai retrouvé les mêmes traces, alors ça veut dire que vous étiez venu auparavant. Alors je corrige en disant que lorsque je suis venu, j'ai retrouvé une situation de désolation avec des paires de chaussures et tout ce que j'ai décrit là. Vous corrigez? Voilà, je corrige, oui. Que le tribunal prenne acte. Ouais, ouais. D'accord. Alors, est-ce que vous aviez fait le tour du stade ce jour? Je suis venu, je vous ai donné mon itinéraire, je suis venu, je suis rentré par la grande porte, j'ai garé là où les footballeurs rentrent, et j'ai vu les portes, je suis monté, j'ai vu les cabines de reportage, il n'y avait pas de dommages aussi importants au niveau du stade. Bon, les grillages aussi étaient endommagés. Vous savez, monsieur le ministre, vous connaissez le stade mieux que moi, c'est un complexe. Hein? C'est compartimenté. Le 28 septembre, quand les tirs ont commencé, il y a eu une panique. Les manifestants ont détalé, ils sont sortis, chacun est allé de tous côtés. C'est pourquoi je demande si vous aviez fait le tour du stade. Je dis non ici. Je suis formel, non. Si je n'ai pas fait le tour du stade. Donc, vous n'avez pas constaté les véritables faits qui étaient là. Alors, je veux savoir, qui vous a autorisé d'aller sur cette scène de crime? Ben, je suis allé parce que j'étais le ministre des Sports. Qui vous a autorisé? Personne ne m'a autorisé. Est-ce que vous relevez d'un gouvernement? Je vous dis que personne. Personne. Voilà. D'accord. Est-ce que vous étiez accompagné d'une commission d'enquête officielle ce jour? La commission d'enquête travaillait déjà. Je ne les connaissais pas. Mais moi, je suis allé avec des journalistes. D'accord. Pour juste faire le constat. Je suis reparti. Est-ce que vous vous êtes référé à monsieur le procureur de la République, près le TPI de Dixin? Non. Pas avant d'y aller pour recevoir son autorisation? Non. Moi, je ne connais pas les textes juridiques. D'accord. Je ne connais pas. Est-ce que vous savez que votre présence sur cette scène de crime était illégale? Oui, c'est maintenant que je l'apprends. C'est maintenant que vous apprenez ça? Oui, oui. Est-ce que vous savez que votre présence illégale a permis d'effacer les indices? Aucun indice n'a été effacé parce qu'il n'y a pas eu de travail. Monsieur le ministre. Aucun indice, je vous le dis, je suis formel là-dessus. Aucun indice, je vous assure que aucun indice n'a été effacé. Vous êtes formel? Je suis formel là-dessus. D'accord. Je vous assure. D'accord. Je n'ai aucun intérêt à vous mentir. D'accord. Je ne savais pas que vous étiez enquêteur pour savoir ce que c'est qu'un indice. Vous avez dit ici que vous avez demandé de fermer le stade et de ne toucher à rien jusqu'à ce que les inspecteurs de police finissent leur travail. Vous l'avez dit, non? Alors, est-ce que vous aviez eu des informations sur le passage de ces inspecteurs avant d'y aller? On était déjà informé que des enquêteurs travaillaient là-dessus, mais lesquels je ne connaissais pas. Qui vous a informé? Ah, mais au niveau du gouvernement. D'accord. Alors, pourquoi vous n'aviez pas décrété des journées de deuil national? Posez cette question à l'ancien président de la République. Moi, je ne suis pas président de la République. Je n'ai pas ce pouvoir décrétal. C'était de sa responsabilité.
Ah ben absolument. Mais est-ce que vous savez que le premier conseiller d'un président de la République, c'est son ministre? Oui, mais je ne suis pas premier ministre, je suis ministre des Sports. C'est dit, c'est son ministre. C'est... Le ministre est le premier conseiller d'un président de la République. Est-ce que vous le savez? Au-dessus du ministre, il y a le premier ministre. Oui, mais c'est vous qui devriez prendre les initiatives. Vous, les ministres. Je ne suis pas ministre de la Santé, je ne suis pas ministre de la Justice. Voilà. Mais vous étiez affecté. Oui, mais ce n'est pas à moi de prendre... Je n'ai pas ce pouvoir décrétal. Pas décrétal. Oui. Est-ce que vous ne pouviez pas donner l'initiative au président de décréter au moins une journée de deuil national? Je ne l'ai pas fait. Vous ne l'avez pas fait? Non. D'accord. Alors, est-ce que vous étiez personnellement indigné de ce massacre, monsieur le ministre? Très, très indigné. Pourquoi vous n'avez pas démissionné? Non, je ne pouvais pas démissionner. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas démissionner, c'est tout. Ceux qui ont démissionné, c'est pas parce qu'il y a eu... Ils ont voulu démissionner, c'est tout. Ah bon? Et je ne les en veux pas pour ça. Chacun sait c'est comment il est venu et chacun sait ce qu'il doit faire. Moi, je n'ai pas démissionné parce que je ne pouvais pas démissionner. Par contre, je continue à condamner. Dans ce massacre, dans ce massacre, avez-vous perdu des proches? J'ai perdu des proches. Est-ce qu'on ne vous a pas fait de reproches de n'avoir pas démissionné? J'ai des amis qui me l'ont dit. Voilà. J'ai dit non, je ne pouvais pas démissionner. D'accord. Alors, venons-en sur la question relative à la réparation des dommages. En vertu de quoi vous avez accordé le marché de la réparation du stade à KPC? Ce n'est pas un marché. Je sais que lui pouvait m'arranger. Mais c'était marché, monsieur le ministre. Non, on ne payait Laissez pas. Laissez-le répondre. C'est répondu. Allez-y. J'ai répondu à la question. J'ai dit qu'il l'a dit, je l'ai demandé, il dit qu'il le fait gratuitement. C'est pas un marché. Monsieur le ministre, le stade du 28 septembre, c'est un bien personnel ou bien c'est un bien public? C'est un bien public. Alors. Mais il en a l'habitude de le faire. Attendez. Quand il y a des travaux d'urgence comme ça, il a l'habitude de nous aider. C'est ça. Ce n'est pas un marché de gré à gré. Ou attendez, quoi, là, monsieur le ministre. Puisque c'est un bien public dont vous avez la responsabilité de gérer, lorsque vous devez engager des travaux de réparation, est-ce que vous ne devez pas vous référer au marché public? C'est ce qui est normal. Alors, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? C'était des travaux d'urgence. C'est des travaux d'urgence. Est-ce que vous vous étiez référé à votre premier ministre? Il était informé. C'était une décision du gouvernement? C'était une proposition que j'ai faite et le premier ministre savait. Et ça n'a pas été fait parce que, comme je vous ai dit, deux jours après, la décision est tombée. Donc, le président était au courant? Qui? Le président de la République oui, était au été courant? Informé. Il avait donné son aval? Ah ben oui, pourquoi pas? Il avait donné son aval? Ah ben oui, pourquoi pas? C'est dans l'intérêt du pays. Monsieur le ministre, est-ce que cette décision est venue d'un conseil des ministres? Non, pas du tout. Bon, vous ne pouvez pas dire que c'est le premier ministre qui vous a autorisé ou le président de la République? C'est un marché de gré à gré? Aucun marché de gré à gré parce que ça n'a pas été payé. Et le travail même n'a pas été fait. Est-ce que voilà. C'était normal de réparer la scène de crime sans une autorisation de la justice? Non, normalement, il faut l'autorisation de la justice. Voilà. Mais moi, c'est des textes, je ne connais pas, je maîtrise. Monsieur pas. Le ministre, vous aviez un collègue ministre de la justice. Est-ce que vous vous étiez référé à lui avant de le faire? Le travail n'a pas été fait, je vous dis. D'accord. Voilà, il faut comprendre. Alors, la CAF... La CAF avait décidé, vous l'avez dit, malheureusement, nous l'avons accepté. Malheureusement. Est-ce que cela veut dire que vous étiez prêt à organiser un spectacle sur une scène de crime où il y a eu des milliers de morts, monsieur le ministre? Non. Il y a eu plusieurs femmes violées. Il y a eu plusieurs blessés. Est-ce que vous étiez prêt à organiser un spectacle sur cette scène de crime? Non. Nous n'étions pas prêts. Mais vous avez dit, malheureusement, nous l'avons bon, accepté. Peut-être que c'est une erreur de langage, mais nous n'étions pas prêts.
La preuve est qu'après, il y a eu une décision pour interdire les manifestations culturelles au stade du 28 septembre. Il y a eu une journée de recueillement après, au stade du 28 septembre, lorsque le premier ministre Jean-Marie Doré a été ministre. Moi, j'étais maintenant ministre de la Culture. Ça, nous l'avons fait. Non. Monsieur le ministre, ce que j'ai compris, c'est que c'est contre votre gré que le match a été délocalisé. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. D'accord. J'ai toujours condamné fermement le massacre du 28 septembre. Et je continue à le faire. D'accord. Vous êtes d'accord qu'il y a eu une interdiction de la manifestation? Oui ou non? Oui, oui. D'accord. Est-ce que la violation de cette interdiction justifiait ce massacre? J'ai répondu à Maître tout de suite et à Maître Silla aussi. Ça ne justifiait pas. Je suis contre cette réaction disproportionnée de la force. Je ne suis pas d'accord. Si je continue à le condamner. Si vous étiez président de la République ce jour, que feriez-vous face aux manifestants? Si j'étais président de la République, j'aurais laissé faire la manifestation. Et puis après, aussi, je suis aussi simple que ça. En cas de problème, vous interpellez les responsables. C'est aussi simple que ça. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président.